On va faire ça comme ça. Du coup, là, il va falloir attendre que je fasse ce donjon. Je filmerai pas, tant pis. Et on se retrouvera quand ce donjon sera fait pour la suite. Parce que là, tout seul, ce sera pas possible. C'est chiant, ça, de nous mettre un donjon en plein milieu de... On avait été bloqué à BFA comme ça, parce que pareil, il y avait un donjon à la fin. Et fallait aller chercher... fallait tuer Jaina Porte-Vaillant. Et infaisable. Le truc était infaisable. Il n'y avait jamais un groupe qui arrivait. J'ai fait trois fois le donjon avec trois groupes différents. À chaque fois, c'est parti en cacahuète. C'est un enfer. Bon, enfin bref. Allez, coincé. Est-ce que j'ai quand même, admettons, un Ravendreth, des trucs qui sont apparus? Non, non, bon. Du coup, je me pose la question. Question, lui il va. Allez. Non, elle est coincée. Du coup, de toute façon, moi je vais rentrer à Satra et il va être l'heure de relancer mes ventes. Oui, on n'a pas fait un point sur mes économies, mais vous avez vu que j'ai pas mal augmenté quand même. Je suis à 367 000, je crois. C'est ça, 367 000 PO. Ce que pas mal. Ne traînez pas. Ah N'hésitez pas à si, il y a un traîner. truc qu'on n'a pas fait. Il y a un truc qu'on n'a pas fait qu'il faut que je fasse rapidement avec vous. J'ai un souvenir à donner au runomancien. On va faire ça rapidement ensemble, avant de se quitter. Hop, on va repartir rapidement pour Ouriboss, on va aller dans l'antre et on va faire ça. Il y en a pour une seconde, hein, mais les souvenirs, je les donne avec vous, comme ça au moins, si jamais... parce que je sais que ce souvenir-là, il est en fait, il a été acheté à Ravendreth. Et si je vous le montre pas, je sais que je risque d'avoir des commentaires. Ouais, t'as oublié le souvenir à Ravendreth, ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est juste histoire qu'on les ait tous en vidéo, comme ça au moins. Peut-être faire un truc, mais c'est chelou ce truc-là, non? Je l'avais pas vu ce truc-là. C'est quoi ce truc? Enfin bref, allez, c'est parti.
Je me suis vautré. Juste à côté encore, hein. Il est un peu agaçant ce fondu en noir au début là. Il sert pas à grand chose en plus. Du coup voilà, sacrifice de vitalité, hop. C'est tout ce qu'il y avait, hein. Je viens de voir un truc. Nous arpentons les fragments du souvenir. Faut que. Sentez les assauts de l'antre contre votre esprit. Ah, c'est lié. Ah bah si c'est lié, ouais, on m'en fiche en fait. Je pensais que je pourrais le vendre à l'HV, mais en fait non, c'est lié. Ah, du coup c'est pas utile. Autant le vendre. Je ne voudrais pas vous retenir. C'est vrai que j'ai un peu d'anima à déposer à Ravendress, mais c'est pas grave. Ça attendra que je fasse mes BG ce soir. J'aurai encore un BG, le BG épique à faire. Parce que je vois que ça parle des MJ en vacances. Enfin voilà, des MJ. J'ai fait appel à un MJ il n'y a pas longtemps et j'ai discuté un peu avec lui. Ça a été bref, hein. Mais ouais, ils sont réactifs, ils sont très bien. Hein. Le staff de Firestorm, plutôt réactif, plutôt sympa. Les heures sombres vont s'achever. Ouais, j'ai plus rien en vente actuellement. Alors ça, je voulais le cacher. Hop. J'ai ça, je sais pas ce que c'est. Bon, il y a des boutons là.
Bah écoutez, bah on va le faire ensemble. On va remettre mes ventes ensemble. Ça fera un peu de contenu, même si on n'a pas besoin de ça, hein, mais bon. Ouais. Beaucoup de trucs à vendre. Allez, let's go. Non, bah je vais couper là et puis je vous dis, de toute façon, je relance mes ventes. Là, va y avoir. Est-ce quoi? 1,2 million peut-être de choses à mettre en vente. Pas 1,2 million d'objets, hein, 1,2 million de PO en potentiel de vente. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Bah, tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Alors, je suis désolé, je suis en train de prendre en plein BG. On est sur la dernière. On est sur le dernier boss, je suis mort qu'une seule fois. Je vous prends vraiment en cours, hein. On est au boss final. J'ai trouvé une super équipe. Le truc c'est, voilà, j'ai ça là, j'ai pas bien compris, mais apparemment faut que j'évite les taches noires. Je prends cher à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Bon, hop. Mais bon, on a quasiment fini. Alors, il y a eu un petit peu de lore pendant le donjon. Mais pour faire simple, Deva a donné un peu ses motivations. Voilà. Mince. Oh. Hop. Le temps, c'est de l'argent. J'ai récupéré un souvenir aussi pendant le donjon, du coup. Une prochaine fois. Hop. Donc, superbe. Voilà, super groupe. Hop. Donc, j'ai juste utilisé l'outil de WoW, hein, pour joindre un groupe. Et. Il vous faut apprendre à tomber. Lancez-vous aux côtés de Et ces voilà. aspirants. Du coup, alors, moi j'ai un ami qui est censé venir dans peu de temps. Mais en attendant qu'il arrive, on va continuer un petit peu. Parce que du coup, ben voilà, je viens d'accomplir cette quête-là. Voilà, donc ben, merci aux autres joueurs qui étaient là. La tank, elle était ouf. On avait une tank, la chasseuse de démons, qui était. Enfin, le personnage était féminin. Je sais pas si c'était un joueur ou une joueuse. Attendez, j'ai un griffon normalement ici. Attendez, je suis en train de m'embêter, mais. Ouais, il y a un griffon là. Du coup, voilà. Donc, franchement, la tank, elle était ouf. Elle a géré de ouf. Et le heal aussi assez correct. Le heal a bien géré aussi. Je suis mort qu'une seule fois contre la boss finale. Et puis il a pu me res, donc j'ai pas eu à me retaper tout le donjon à pied. Puis apparemment ils avaient l'habitude parce ils m'ont montré 2-3 raccourcis où on pouvait éviter des mobs. Donc on a économisé quelques combats. Enfin voilà, c'était franchement un chouette groupe. Pour faire simple, on a suivi la tank tout du long, le heal collé au cul et les DPS ont été un petit peu en retrait pour pouvoir balancer nos dégâts. Franchement, c'était une organisation nickel. Rien à redire sur ce groupe, il était génial. Je vous avais peut-être eu le temps de lire les pseudos, je vous avouerai pas avoir fait plus attention que ça. Mais franchement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un donjon aussi bien organisé et surtout que c'était un nouveau donjon pour moi. Franchement, là, je suis bravo, juste bravo. Avez-vous besoin d'une mission? Bien, donc nous récupérons. Ah oui, donc des plumes d'Arconte, c'est quoi ça? Ah oui, donc l'anima. Bordel, et on récupère quasiment. On récupère 750 d'anima quand même. Et donc un emblème de renom. Restez fidèles à notre devoir éternel.
Bien, du coup, on va retrouver Mikanikos à la forge des élites et des éternels, et je pense qu'on Quelle va. est votre pureté? Zika, tu étais censé veiller au grain. Où sont mes ouvriers? Hâtez-vous, il faut à On tout prix reparlera de ça récupérer plus tard. Phaistos. Pour l'instant, il faut récupérer le marteau. Je pense qu'on va devoir lire les souvenirs de d'Eva, hein. Je pense que ça va être ça la suite de toute façon des événements. Donc on doit se rendre là-bas. Oh, c'est chiant. On va prendre le griffon à droite, on sera plus proche. Pareil, je vais réinvoquer rapidement son marcheur. Pour le. Je sais pas si vous avez vu. À mon avis, elle a dû mourir avant que je prenne l'enregistrement. Mais pour le donjon, j'ai plutôt opté pour Mastucube. Parce que ma. Parce que mon marcheur, le truc, c'est qu'il prenait l'aggro et que ça emmerdait le tank. Donc j'ai changé de démon, j'ai utilisé Mastucube. Je prends quoi? J'ai envie de changer un peu de monture. Hop. Voilà. Il se traîne lui, non? Ouais, attendez, j'ai l'impression qu'il se traîne le loup là. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le. Non, non, c'est mon impression, c'est tout. J'avais l'impression que ça se traînait, mais en fait non. Ah, ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas vu mes autres montures. J'utilise toujours le cheval là Le premier forgelite nous informe que l'une de nos némèses ne répond plus. Apportez-lui ce qu'il faudra pour qu'elle puisse se remettre au travail. J'utilise toujours soit la mule bronze prestigieuse là enfin le coursier de bronze prestigieux qu'on débloque en BG. Ou alors le coursier du vent, hein, parce que c'est la première monture volante qu'on obtient. Voilà. Le faucon Gorgrefeu, c'était un achat. C'était un achat sur la boutique de Firestorm. Vous parlez au premier Forgélite, le maître d'œuvre du bastion. Nettoyez bien derrière vous. Alors, 8 morceaux de métal purifié en récupérant les composants de Centurion corrompu. Ok, d'accord. Je me charge de trouver Phaistos. Mon art vous intéresse. Sans rayures et sans impureté. Oula. Faut stresser. 5 ouvriers. Ok. Instrument de perfection. Récupérer les pinces en acier d'âme de noyau du globe poussé et le brûle-encens. Garce de Mikaelinos, ok. Du coup, on va commencer par ça. Et si on a des mobs à flinguer, on les flinguera sur le passage. J'ai trompé de sort. Yeah.
Allez, dégage, toi. C'est bon, allez. Est accompli. J'ai pas compris, il est pour la libération de l'autre, parce que là je viens d'en libérer un. Ouais, c'est ça, eux je dois les libérer, hein. C'est ça les ouvriers. Ouvrières de la. Ouais, secourus, mais si je les bute, ils sont pas secourus. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Bon, ça on verra après. Pour le moment, il me reste encore un truc à récupérer. Le noyau de je sais pas quoi là. Du coup, on va se concentrer là-dessus. Le bordel, c'est quoi cet aggro, ouais? Tirez-vous! Alors faut que j'ai l'œil parce que visiblement voilà j'ai le genre d'ouvrières là qui sont là, enfin d'ouvriers qui sont là. Là elle va se ramener, c'est obligé. Ah bordel, ça enlève du miracle que notre magister ne soit pas débarqué. Bon. Évidemment. Bon. Est accompli. Moi, je veux juste libérer là.
Hop, voilà. Je vais focus les ouvriers. Les ouvriers libérés. Faut vraiment que j'ai l'œil pour les trouver. Là-bas. En fait, là-bas, elle est réapparue, en fait, tout simplement. Allez, 4 sur 5. Et là-bas, j'ai la dernière. Mon devoir est accompli. Ok, maintenant il faut que j'accède à la forge éternelle. Ça devrait le faire. Ah. Ah oui, non, oui, c'est un truc que je peux me servir, ça, mais... Bon, du coup, si je fais ça, ça marche. Ah, d'accord. Il m'en manque. Ouais, j'ai peut-être été un peu gourmand là. J'ai certainement été trop gourmand. C'est bon. Le fameux métal là, je galère. Hein. C'est sur les centurions. Ça, hein, il me semble. Hein. En fait, c'est du métal, donc il faut que je les chope sur tout ce qui est en métal, quoi. Est
devoir est accompli. Ah mais il faut qu'à chaque fois en plus je retourne à la forge. Bon, donc j'en ai 4. Là, j'en ai un quatrième. Ça, je peux pas le récupérer. C'est long cette quête, c'est long. Parce que ça drop pas tous les coups. Cinq sur huit. Merde. Ah cool, j'en ai deux d'un coup. Alors, ça nous en fait 6, 7. Il en manquera un. Il me manque un métal. Je suis trop loin. Ramène-le par là. Voilà. Allez, drop, s'il te plaît, drop. Non.
Décidément, ça veut pas, hein. Zut. Mon devoir est accompli. Ah d'accord, elle a le truc que dalle comme ça. Mais oh, reviens. Non mais où? Tout ça pour même pas drop quoi. Je crois que je l'ai. Eh ben, ça aurait été quelque chose. Je ne prends que les bonnes questions. Parlez-moi des merveilles de votre monde. Oui, j'ai un créneau pour vous. Les ouvriers sont de retour. Les affaires reprennent. Et ce n'est pas le travail qui manque. Je suis un régisseur très occupé. Surveillant Atticus. Et je reçois bandelette de guérisseurs. C'est pourquoi c'est pour les poignets, hein, c'est ça? Ah mais j'ai déjà un truc. Quoique, attendez. Si Couvre-Froid et Ben, ça fait partie du staff. Donc ça m'intéresse pas, mais bon. Laissez-moi travailler. Je suis très exigeant. À vous de... Bon, il n'avait pas déjà dégommé, lui, il a une quête précédente. Mince. Si, on l'avait déjà dégommé dans une quête précédente, lui. Bon, bah, du coup, hein... Avec Phaistos, je vais pouvoir créer des centurions capables d'écraser jusqu'à l'archonte. Ah oui, puis j'avais même sorti la blague, quoi qu'il en coûte. Hop, c'est bon, j'ai... Allez. Comme quoi, le quoi qu'il en coûte, on sait ce que ça donne. Quelle arme fascinante! Je peux la voir de plus près. Oh! Ça, c'était pas prévu, ça. C'est cool. Certains disent que je suis maniaque. Moi, j'appelle ça consciencieux. Super, j'ai reçu une. Oh, mais décidément, et ça défile, les emblèmes, là. C'est cool. C'est cool, on progresse. Aider Mikanikos à parachever son chef-d'œuvre. Ok. Avez-vous des idées pour renforcer les centurions? Bah, let's go. Vous avez équipé ce Goliath d'un noyau spécial.
avec Phaistos. Je vais pouvoir le lier à mon âme. Sika, veille au grain. Vous, appliquez l'armure renforcée. Oui, Forgélite. Ah, faut que je fasse un truc. Je crois qu'il faut que je fasse un truc, mais j'ai pas compris quoi. Je suis zoomé au max en plus. Allons-y, avec mon aide, les illusions ne vont pas être difficiles à identifier. Bon, ok, non, ça c'est bon, ça. Hop. Non, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Un mur en flore, c'est appliqué. Vous parlez au premier Forgélite, le maître d'œuvre du bastion. Avez-vous des idées pour renforcer les centurions ? Ça, cette barre-là, c'est pour l'XP. Donc, si c'est pour l'expédition, on s'en fiche. Armure appliquée, renforcée. Mais j'ai rien. Ah, putain, c'est ces petits trucs-là. Bordel, faut les voir. Ok. Oh. Ah, puis avec l'arbre et tout, c'est un enfer. Ok, et le dernier truc, elle est là. C'est trop ! Mechanicos, vous faites du mal ! Encore plus d'anima ! Aidez-moi ! Je tire une monture. Je suis un régisseur très occupé. Je rapportez-moi sa puissance qui coule en moi. La force de Braun sera la mienne. Braun. La nôtre. Qu'est-ce que c'était ? En avant, Centurion ! Anéantissez les intrus ! Les Centurions vont nous submerger ! Pas de panique. Je sais quoi faire. Allez, montez tous ! Mon art vous intéresse. Prouvez-le. Tu vois, chez Braun est terrassé, 30 combattants. Ok, c'est bien, on va s'amuser. Je vais juste voir avant. J'exige rien de moi que la perfection. Dernier renom, il me donnait quoi ? Amélioration d'armes avec Terrotard. Et... j'ai gagné une apparence. Ouais. Mantelé des lames écarlates. Ok, d'accord. Bon, pas grand chose, mais voilà. Eh, on progresse bien dans les renoms, mine de rien. Ça, c'est sympa. Parlez-moi des merveilles. Allez, c'est parti. Partagez votre force avec Braun. Votre lien le renforcera. Rapportez-moi retour de nouvelles idées. Vers le vide. Attendez. Voilà qui fera un excellent exercice pratique. En avant. Bah mon pote va arriver, je vous ai dit, hein, je suis en train de tourner, mais j'ai un ami qui va arriver. Bon, on verra bien. Je vais essayer de faire ça rapidement, avant qu'il arrive. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Hein. Alors, voyons un petit peu. Ok, ça c'est pas ouf. Mon devoir. Oulalalalala. Pour l'archonte. Oh, c'était échec critique.
est accompli. Mon devoir est accompli. Merde, j'aggro d'autres mobs. Non mais c'est un échec. C'est un échec. Son truc là, c'est une grosse merde. Moi je m'attendais à un truc du niveau de la couronne quoi. Mon devoir est accompli. Mais c'est de la grosse merde. Quelle arme fascinante. Je peux la voir de plus près? Dude, t'as fait de la merde. Ah, cette violence. Bon, bah, on va se faire ça à l'ancienne, hein. Ça va être brutal, ça va être brutal, ça va être brutal. Bon, c'est bien la preuve que j'ai regagné en puissance quand même. Parce qu'à un moment dans le jeu, j'aurais eu ça sur ma tronche, je survivais pas. Hein. Je vais réinvoquer un nouveau marcheur. Renvoyez-moi. Mince. Attendez. Du coup, 0. On va balancer le 7 tout de suite. Par contre, j'ai de nouveau réinvoqué l'autre con là. Lui là, j'en veux pas. Je... Ah, quoique. S'il combat à mes côtés, ça me va. J'ai pas fait attention s'il combattait. Qu'est-ce que... Quoi? Oula, il y a... Il y a comme qui dirait un bug, là, avec mon personnage. Bon, ok. D'accord, bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. C'est pas grave, hein, on va laisser comme ça. La graine a pas pris, la graine a pas pris. Là maintenant elle a pris. Mon devoir est accompli. Ah mais j'ai l'impression que l'autre là il attaque pas hein.
Ah là je suis mort, là je suis mort, là j'ai aucune chance là. Ah bon, alors lui par contre qu'il soit revenu ça me saoulait, je devrais refaire appel à MJ pour le dégager. Ça me casse les rouleaux. Bon. Alors, elle par contre, elle c'est ma priorité. Le bordel. J'en suis où de ma quête là? Il me reste les deux colosses. Des colosses désavoués. Bon. Là, faut que je régène là. J'ai pas trop le choix. C'est bon. Non, par contre, lui, je voudrais qu'il se barre, lui. Putain, je peux pas. Je peux pas. Normalement, ici, toutes les options qu'il y a là, elles sont désactivables. Mais lui, je peux pas le virer. Et le truc, c'est que je peux pas aller en BG avec lui parce que à chaque fois que je meurs, il lance une phrase et ça saoule tout le monde. C'est ça qui est chiant avec ce bug. Si vous avez Terrotar avec vous, il vous colle au basque, mais jusqu'au bout du monde, quoi. Même en dehors de l'Outre-Terre. En dehors de l'Ombre-Terre, quoi. Et ça, c'est un enfer. Ok, alors attendez. On va prendre nos distances, hein. On va prendre nos distances. Voilà, jusqu'à plus être en attaque, voilà. Le premier forgelite nous informe que l'une de nos némesses ne répond plus. Apportez-lui ce qu'il faudra pour qu'elle puisse se remettre au travail. On va essayer... Ça, de toute façon, hein. Ouais, donc à mon avis, il faut que j'attaque lui là. Okay. Mon devoir est accompli. Mon devoir est accompli. Non mais attendez, je peux pas en fait là, je peux pas le buter en état là.
J'ai l'impression que je peux pas le toucher en état. Il faut que je sois dans l'armure, mais je n'ai plus l'armure. Le colosse des avoués, c'est ça. Du coup, est-ce que je peux réavoir l'armure ou pas? T'as plus, ça va être chaud d'arriver jusque là-bas hein, intact. Non mais y a pas moyen en fait. Attendez. Mon avis, ça... Ça devrait, je devrais abandonner et recommencer. Si je suis un reload, est-ce que l'armure réapparaît? Je l'ai dans l'os.